Chantal et Bernard Choisselet, bonsoir. Nous sommes sur vos terres de Saint-Just, au milieu de votre exploitation. Vous êtes maraîcher. Et alors, hormis les légumes, vous avez d'autres spécialités? Oui, c'est-à-dire qu'au départ, je faisais surtout des arbres à noyaux et des pommiers. Et ensuite, on s'est diversifié justement pour les drives et marchés de détail vers du maraîchage pour pouvoir vendre des légumes l'hiver et élargir la gamme. Alors, pourquoi avoir choisi en fin de compte le mode du circuit court? Quand je me suis installé en fin 82, c'était déjà mon idée et j'ai toujours fait que les marchés. J'ai toujours travaillé qu'en circuit court. D'accord, donc c'est-à-dire du producteur au consommateur. Du producteur au consommateur. Alors en tant que producteur maraîcher, est-ce que vous pensez que ce mode de distribution et ce mode de production, ça répond d'abord à votre vie et puis ensuite aux besoins des gens? Est-ce que c'est un effet de mode ou c'est vraiment un réel besoin? Non, je pense que c'est un réel besoin, c'est pas un effet de mode. Il a toujours existé autour des grandes villes, des ceintures vertes et où avaient lieu après des marchés où tous les maraîchers venaient vendre leurs produits. Donc c'est pas une mode. Bon, le drive passe donc par le net, c'est un nouveau moyen, mais je parlerai pas de mode. Est-ce que ça répond en fin de compte à vos besoins, ce drive fermier? Ça correspond à un nouveau marché, ça correspond à des gens qui sont contents puisqu'ils reviennent, qu'ils recommandent. Donc voilà, et nous, ça nous motive pour justement, avec cette satisfaction-là, de continuer, d'essayer d'être encore meilleur, on va dire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une philosophie particulière pour travailler en circuit court? Ou alors il y a une philosophie particulière pour vous vendre en gros. Retrouvez-nous sur le stand de la Chambre d'agriculture du Languedoc-Roussillon au salon Cité Vie du 24 au 26 novembre à Montpellier.